Bon, pour revenir un peu en arrière, comme je vous ai dit, le fait d'être relativement doué pour la peinture m'a bien servi. Il se fait, bon, j'ai peint pas mal de tableaux, la plupart ont disparu, bouffés par les termites ou sont restés chez des copains. Mais j'en ai gardé deux parce que ça montre un peu mon point de départ et en partie mon point d'arrivée. Il y a celui-ci qui montre Jésus dans un décor industriel, si vous voulez, en train de sauver le monde. C'est la lumière du monde dans des villes industrielles tout à fait noirâtre et noirci par le péché, si tu veux. Donc, c'est très beau. Ça a été exposé dans le galerie d'art de ma ville pendant un certain temps, parce qu'ils ont dit que c'était la seule chose qui ne ressemblait pas à une carte de Noël ou à une couverture de boîte de chocolat. Ça avait un message, quoi. Il fallait un message. Et puis, celui-ci, que toute modestie à part, j'aime bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand mes enfants ou des collègues voient ça, ils disent « Mike, ouais, voilà, c'est merveilleux, voilà, protestation marxiste, néo-marxiste ou post-marxiste contre la misère ouvrière. » Mais c'est vraiment pas ça, je n'avais aucune conscience. C'était tout simplement le reflet de mon vécu au milieu de ces corons, au milieu de ces filatures. Et mes enfants m'ont demandé une fois « Mais papa, dans tes tableaux, il n'y a jamais de ciel. » Je dis, mais il n'y avait pas besoin de regarder le ciel, ça n'existait pas. C'était uniformément gris à cause de ces usines qui crachaient du feu et de la fumée toute l'année. Ils ont dit, mais il n'y a pas d'arbre non plus. Moi, je n'ai jamais vu d'arbre jusqu'à 15 ans, je n'ai pas vu d'arbre. C'était en allant en Irlande que j'ai commencé à me rendre compte qu'il pouvait y avoir la verrue. Parce qu'effectivement, à 15 ans, signer les papiers pour entrer chez les bébés. Je bouge. J'espère que ça ne détraque pas votre bazar. Mais évidemment, les pères blancs sont venus à la maison demander des renseignements pour voir si on était des bons catholiques ou pas, etc. Et puis, effectivement, à l'âge de 15 ans, je suis parti en Irlande, on prend le bateau à Liverpool, on prend, ça débarque à Belfast, on prend le train, c'est encore des trains à vapeur, encore plus vieillots que les trains de l'Angleterre. Je me rappelle encore, c'était bourré de paysans et de bourrins, et à ce moment, ça s'arrête en pleine campagne. Et je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un dit, non, il faut attendre, on attend la connexion. Puis tout d'un coup, apparaît dans une ligne à gauche, un wagon tiré par un cheval, un soldat impérial, d'où débarquaient les passagers. En 1950, l'Irlande était encore à peine sortie de l'époque de Cro-Magnon. On arrive. Les Pères Blancs voulaient mettre leurs pieds en Irlande, si tu veux, pour avoir des vocations, à commencer à s'épuiser sur le continent. Et l'Irlande était encore un terrain fertile. C'était inimaginable. Dans une famille irlandaise nombreuse en plus, ça m'a frappé aussi. Il y avait, dans le séminaire, il y avait des confrères qui venaient des familles qui auraient pu faire des équipes de foot. 12, 13. Et c'était aussi mon impression des Canadiens. Quand j'étais à Carthage, il y avait des confrères canadiens.
du Canada francophone, évidemment, mais qui venaient des familles excessivement nombreuses, parfois 12, 13, 13 enfants dans ces années-là, 40, 50. Les Pères Blancs avaient eu finalement la permission d'un vieil évêque irlandais moribond, je demande s'il avait compris ce qu'il signait, pour avoir un coin de son diocèse totalement perdu à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qui était très connu. C'était au bord de deux lacs absolument superbes et mélancoliques et tristounets à souhait. À Belgique, il pleut tout le temps, mais là, en Irlande, je me demande si jamais il a cessé de pleuvoir. Il pleuvait tout le temps, mais c'était très connu. On était perturbés dans notre sommeil de séminariste par le beuglement des vaches qui passaient à travers le lac, soit nord-sud, soit non est-ouest, soit est, selon le prix du bétail, parce que c'était des contrebandiers, ou c'était le beurre. Mais le beurre, ça faisait pas de bruit, mais il faisait passer aussi du beurre de cigarette. C'était un coin de contrebandiers, si tu veux. J'ai toujours vécu à la limite chez les Pères Blancs. Ils ont toujours eu des maisons et des situations limites. Je parlerai aussi du noviciat tout à l'heure, mais ça, c'était vraiment une belle maison toute neuve. Le premier ministre de l'Irlande, on était tout juste dans l'Irlande du Sud, si vous voulez, était là. Le premier ministre était là parce qu'il était l'oncle ou le neveu d'un père blanc irlandais. Donc, on a ouvert ce séminaire. Le père blanc avait un système. Dans la plupart des congrégations, vous entriez d'abord en faisant une année spirituelle, le noviciat. Les pères blancs, plus malins, si vous voulez, vous faisaient passer quand même par deux années de philosophie avant d'entrer vraiment dans la congrégation. Et donc, on était habillés dans des soutanes, avec des cols romains. On était vraiment, c'est comme un symposium de croque-mort en permanence. C'était pas la joie. Mais c'était, quand les gens pensent séminaire, ils imaginent les prières, les chapelets, les flagellations, le lavage, gavage de cerveau. C'était pas ça du tout. J'ai jamais été aussi épanoui, heureux, physiquement, mentalement. Matériellement, faut pas trop demander. La bouffe, c'était pas ça. On bouffait du porridge oats le matin, mais c'était grumuleux. On mettait du sel dessus parce qu'il y avait pas de sucre. C'était pas la joie. Mais on n'a pas crevé de faim non plus. Mais c'était mon première expérience d'un milieu international. Je me suis jamais rendu compte à quel point les Anglais n'étaient pas les maîtres incontestés, aimables et aimés de tous par tout le monde. On avait des Irlandais parmi nous dont les pères étaient littéralement dans le IRA, dans l'armée républicaine. Comme nous étions catholiques, on était du bon côté, si tu veux. On était censé être contre la reine et pour la libération de l'Irlande. Il y avait des Écossais. Il y avait des Anglais de la haute société, si vous voulez. Il y avait un peu de... Donc déjà, si vous voulez, un premier brassage dans l'international. Je n'ai vraiment pas, grâce au Père Blanc, une identité nationalistico-chauviniste. Je suis nul et non avenu. Je n'ai pas de crise d'identité particulière. Je n'ai pas d'identité de pays, entre guillemets. Et donc, mais c'est difficile d'imaginer aussi, je crois, même à l'époque, les gens imaginaient, comme je vous ai dit, qu'on était là en train de réciter le chapelet. Il y avait des choses bizarres quand même, parce qu'en arrivant, première journée, dans le couloir, je croise quelqu'un et je lui demande quelle heure est-il. Il me prend par les épaules, il fait chut, et il met sa tête dehors. Ça a pleuvé, mais ça, c'était le déluge. C'est 4h30, mais on ne parle pas dans la maison. Effectivement, on ne parlait pas dans la maison. Or,
les lieux désignés pour la récréation. Mais j'ai dit, une quarantaine d'étudiants, une demi-douzaine de profs, certains autodidactes, certains ayant fait la grégorienne, mais tous d'extrême bonne volonté. C'était vraiment, il y avait une atmosphère de camaraderie et d'encouragement. J'avais 15, 16 ans, je n'avais jamais lu des bouquins sérieux. À la maison, il n'y avait pas de bouquins. Chez les jésuites non plus, il n'y avait pas grand-chose à lire, des tables d'algorithmes et un enseignement religieux chez les jésuites qui était absolument polémique, si vous voulez. Il n'y avait rien de très spirituel. Il fallait prouver que Jésus était ressuscité, que Luther était une espèce de polygame libidineux, que Henri VIII était le plus grand saligaud de tous les temps et que le pape était infaillible, même avant le pape mobile, que tout baignait, que l'Église catholique, c'était la seule garantie. Vous n'avez pas d'idée, si vous voulez, c'est peut-être de cela que vient mon relativisme tardif. Vous n'avez pas d'idée à quel point notre mentalité était absolument absolutiste. Nous avions toute la vérité et rien que la vérité. Et donc, dans le dialogue interreligieux, quand ça existait, ce qui était rarement le cas, on ne pouvait pas aller très loin. On pouvait soigner l'emballage, on pouvait faire semblant, on pouvait pardonner l'erreur subjective, mais objectivement, il n'y avait rien à négocier. Nous avions à 100% toute la vérité, si vous voulez. Et les Anglicans, qui étaient nos frères séparés, les plus proches, étaient quand même séparés. Surtout depuis, comme disait Benoît XVI, ils ont dérapé en ordonnant des femmes prêtres, qui n'étaient pas prévues par le programme, parce que ça ouvre la porte à des prêtres lesbiennes et à des femmes évêques qui louent leur ventre maternel pour produire des bébés. Vous imaginez, Jésus se retournerait dans son tombeau, mais il n'y est plus parce qu'il est ressuscité. Donc le problème ne se pose pas. Mais s'il était resté ici, il serait retourné des dizaines de fois. En voyant que même les Anglicans qui sont les plus près sont quand même sérieusement éloignés de la... Et ça, si vous voulez, c'est cette mentalité absolue est très typique d'une situation sectaire, si vous voulez. Je crois que quand tout le monde est catholique, on s'en fout. Mais quand vous n'êtes que 10% de la population, et vous savez que vous, en principe, vous étiez autrefois à 100%, que vous, avec nos parents, on visitait les cathédrales, et nos parents ne rêvaient que du retour de toutes ces cathédrales dans le giron de l'Église catholique romaine. Mais on ne disait pas romaine, on disait... Les protestants disaient catholique romaine. Non, on est catholique. Ça fait qu'on est à Rome aussi, mais... Et on avait du mal à accepter que nous n'étions qu'une église parmi d'autres, peut-être une des meilleures, les plus performantes, etc., etc. Mais on avait cette mentalité absolutiste et qui m'est totalement sortie de la tête, mais qui, je crois, explique pourquoi le missionnaire le plus éloigné de Rome, chez les plus primitifs des primitifs, entourés par des sauvages et faisant face à des protestants autrement plus équipés matériellement, avait néanmoins cette foi absolue que lui finirait par triompher, si tu veux. Cet absolutisme. Je dis oui, mais quand je parle comme ça, les gens disent, mais tout ça est disparu. Il n'y a plus de croyants, il n'y a presque plus de chrétiens. Il n'y a que des fondamentalistes musulmans. Moi, je dis, mais discutez avec des scientifiques. Discutez avec des freudiens. Ils sont exactement cette mentalité que nous avons absolument raison, pour finir. J'ai discuté une fois avec le fameux Bricmont, qui a écrit le bouquin avec Sokal sur les impostures intellectuelles, mais je me suis fait traiter, effectivement, de danger public, parce que je relativisais la science. J'ai demandé, après la science, il y aura quoi? Mais
Mais il n'y aura rien. Avec la science, on y est à tout jamais. On est arrivé, si vous voulez. Mais je dis, mais les catholiques disent... Si vous dites aux catholiques, après Jésus, il y a quoi? Ils disent, mais vous déconnez, c'est pas possible. Jésus, c'est la fin de l'histoire, dans tous les sens du terme. Ça s'arrête avec lui. Et à la fin, ça s'arrête définitivement avec lui. Et donc, cet absolutisme, c'est vraiment ça. Ne pas pouvoir admettre qu'il y a un après. J'ai claqué la porte pour finir aussi, non seulement à l'Église, au Père Blanc, mais même à mon département de développement, parce que j'ai demandé une fois aussi, mais après le développement, il y a quoi? Mais il n'y a rien, une fois qu'on est développé. Moi, je dis, mais c'est ce que disent les chrétiens, une fois que tout le monde est baptisé, on clôture les comptes. Mais après le développement, il faut, même avec mon ami Serge Latouche, j'ai dit aussi, le post-développement est après. Il dit, mais il n'y a pas... J'ai demandé une fois à José Bové, mais il ne se souvient pas sûrement. Je dis, Seigneur, après qu'on est dans les Cévennes et on bouffe bio et on baise cool jusqu'à la fin des temps, il y a quoi? Après, pour toi, Allégri, il y a quoi? Mais il n'y a rien. Une fois que tu es dans la cité promise, il n'y a rien. Mais j'ai dit, les copains... Il y a encore 3 millions d'années devant une espèce comme la nôtre. Si on doit lire la Bible, le Coran, ou apprendre que E égale MC au carré jusqu'à la fin des temps, ça va être chiant comme tout. Il faut qu'il y ait toujours un après, de l'après, de l'après. Et donc, à bas tout absolutisme, si tu veux. C'est ça, je crois, s'il y a quelque chose que mon anthropologie m'a appris, c'est vraiment... Non pas le relativisme, j'essaierai d'expliquer ça plus tard, mais que l'absolutisme, c'est la poisse, si tu veux. C'est la fin des haricots. Si vous croyez vraiment avoir absolument raison, eh bien, ça s'arrête là, on ne bouge plus. On est dans une sorte de sédentarité stérile, stagnant. Où est-ce que j'en étais, là? Chez les Pères Blancs. Ah oui, chez les Pères Blancs, en Irlande. Alors là, je dis de nouveau, je suis bien tombé, il y avait une vocation tardive, il y avait quelqu'un qui avait été géologue, j'ai encore sa thèse en bas qu'il m'a donnée et dédicacée, c'était sur les formations cristallines des roches en Groenland entre les latitudes 41,2 et 43-6, quelque chose comme ça, absolument époustouflant. Un type vraiment génial et qui était archéologue amateur, qui était spéléologue surtout, presque professionnel. Et j'ai passé presque tout mon temps à aller avec lui dans des cavernes de l'Irlande du Nord, qui à l'époque étaient totalement inconnues au bataillon. La seule fois qu'on a croisé quelqu'un dans un de ces immenses cavernes, c'était à Marble Arch, si tu veux, qui a été exploré quand même par un Français à la fin du 19e siècle. On a croisé une expédition de géologues de l'Université de Manchester à qui on a donné un coup de main. Mais on était totalement inconscients. On y allait sans équipement aucun, avec des lampes de poche, avec des bougies. Et on était dans l'eau jusqu'aux genoux et parfois au-delà de la tête. C'était une société avec risque. La société est sans risque actuellement. Ça me donne des boutons parce qu'il ne se passe plus rien. Ma femme qui a enseigné et qui a mené des gosses à droite et à gauche, à la fin, ne faisait plus rien parce que les parents râlaient des bas, parce que le petit risquait de s'étouffer en bouffant un cacahuète ou je sais quoi. Et donc, on est dans une société où on ne fait plus rien parce qu'on n'ose plus rien. Même la guerre, il n'y a pas de risque. Les autres, oui, mais il faut une guerre où tes soldats à toi ne crèvent pas, c'est les autres qui crèvent. On a une société complètement décalée par rapport à ces sociétés. Comme je vous ai dit, quand j'ai travaillé pour mon grand-père ou pour mon père, c'était dans des conditions qui feraient aller en grève universelle les ouvriers aujourd'hui. C'était pas l'exploitation des enfants, mais il n'y avait aucune protection. On allait dans les cimetières nettoyer les tombeaux, les pierres tombales qui avaient pris de l'âge et de la mousse, avec un vieil camionnette brinque-ballon, avec un immense bidon en verre,
dans un panier en osier plein d'acide sulfurique. Un moindre coup de frein, on était cramé vif. On s'en foutait, il s'en foutait totalement, même avec son petit enfant. Je l'ai aidé à transbahuter ce bazar. Le moindre splotch aurait fait un trou irrémédiable, non seulement dans mes pantalons, mais dans Dieu sait quoi. Et donc, et aussi, c'était une vie un peu spartiate dans tous les sens du terme, si vous voulez. On ouvre une fois par semaine, tous les jours, il y avait une période de travail manuel. Et comme la maison était nouvelle, on devait quand même pas mal travailler dans les champs, faire un terrain de foot, un terrain de tennis. Il y avait ce lac où on allait nager en brisant le glace, si tu veux. Et une fois par mois, on nous mettait dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit. On nous donnait du pain rassis, des petites portions de fromage. Il fallait tirer son plan. Et on devait partir et se débrouiller en pleine nature, un peu comme les paracommandos. On était des soldats de Jésus, mais il fallait quand même s'endurcir, si vous voulez. Je me rappelle encore, ce que je faisais moi, c'était aller dans la cuisine, piquer des boîtes de lait condensé et des sacs de sucre, et je faisais du fudge. Je faisais un superbe caramel pour les copains. Bon. Non, je dis, j'ai jamais été malheureux chez les Pères Blancs, ni matériellement, ni moralement, ni métaphysiquement. C'était des années fastes, si tu veux. L'Église se décrispait, se déconstipait un peu. On pouvait lire des livres de théologie, de philosophie, et lire tout simplement. Il y avait pas, bon, il y avait un sort de censure inconscient. On pouvait pas lire des choses sur l'index. Ça veut dire, il y avait encore à l'époque, parce que je pourrais vous le montrer, la permission de l'index, ça veut dire la permission donnée par le Vatican de lire des livres prohibés par le Saint-Office. Alors, vous pouviez lire, pour faire une thèse, il fallait quand même parfois lire les adversaires des théologies protestantes ou des philosophes existentialistes athées comme Sartre, il fallait pouvoir les lire pour les combattre. Et en latin, c'était écrit, bon, vous pouvez lire des choses qui servent vraiment pour combattre l'hérésie et l'erreur, sauf des livres traitant des choses obscènes. Donc, Playboy était exclu, et exclu, mais absolument, c'était le Coran. Là, on pouvait jamais... Moi, je dis, entre nous, le Coran, j'aime bien. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Mais le Coran, c'est parfois rasoir, si tu veux. Il y a des parties de la Bible qui sont très excitantes, qui sont assez rigolos, etc. Mais il y a parfois des textes sacrés qui sont des sacrés textes. Et donc, je dis, deux années de philo. Ce qui va vous étonner aussi, c'est que il y avait des examens. Chaque mercredi, il y avait ce qu'on appelait un mercurial. Ça veut dire qu'il y avait une mercredi sur deux, c'était oral. Le père supérieur, devant tout le monde assemblé, tirait un nom d'une boîte de cigares. Et si ça tombait sur vous, vous deviez déblatérer pendant 30 minutes sur un sujet que le supérieur avait indiqué au choix. Où il y avait chaque mercredi aussi un examen écrit sur la matière en cours. Donc c'était une formation assez stimulante, je me rappelle. Mais j'ai jamais, et il y avait des examens à la fin de l'année aussi, à la fin des semaines, j'ai jamais eu des notes. Pendant mes 7 années de formation chez les Pères Blancs, j'ai jamais su où j'en étais. Sauf les types qui n'arrivaient pas, je crois qu'on leur faisait signe, si tu veux. Mais pour ne pas gonfler à bloc les gens doués, on disait rien. Sauf que ça va. Je me rappelle, ce qui était très bien aussi, c'était qu'on devait deux fois par an écrire un dossier, si tu veux, sur
un petit mémoire, un petit travail. C'était déjà in à l'époque. Et je me rappelle encore, le premier que j'ai fait, c'était comparer la philosophie, entre guillemets, primitive, la philosophie bantou, la philosophie des pharaons. J'ai lu le bouquin de Frankfurt qui s'appelait « Before Philosophy », avant la philosophie, avec Saint Thomas, si tu veux. Et moi, je me rappelle très bien tous ces petits travaux qu'on nous faisait faire comme ça. Et donc, Irlande, très enrichissant, si tu veux, à la fois humainement, intellectuellement, et même physiquement, j'ai dit, on marchait, on faisait des randonnées en vélo. Le coin était très, très sauvage, de toute beauté primitive, les gens ultra sympas, très pauvres. C'était le coin qui avait connu le plus d'émigrés lors des grandes famines des patates dans les années 40. Ils trouvaient partout des maisons ruinées et les gens vivaient encore comme au Moyen-Âge. Il y avait des feux de tourbe qui ne s'étaient jamais éteints depuis des siècles. C'était moite, humide, crado. Mais les gens étaient d'un accueil terrible, si tu veux. Comme on était visiblement des curés, en Afrique, on massacre le dernier poulet pour le visiteur distingué. Là, il n'y avait pas de poulet, mais ils nous faisaient de ces crêpes avec de la farine macasse. Mais vraiment, c'était émouvant et terrible. Irlande. Après, je vais dans un noviciat, si tu veux. Et là, les Britanniques, si vous voulez, allaient en Hollande, dans un bled qui s'appelait Serenberg, qui est un haut lieu touristique, qui est à la frontière avec l'Allemagne, du côté du Rhin. Il y a une grande ville qui s'appelle Emmerich sous le Rhin, et au-delà, de l'autre côté, il y avait Clèves, d'où était partie la fameuse princesse de Clèves. De nouveau, une maison limite. C'était une vieille baraque énorme construite en style gothique, néo-gothique, brique, par les jésuites allemands qui étaient venus se réfugier là-bas, à un mètre de la frontière allemande, à l'époque du Kulturkampf de Bismarck, pour faire un pied à Bismarck et pour dire, bon, on est prêt. Une fois que Bismarck fout le camp, on retourne. Ils sont retournés, effectivement, et ils ont donné toute cette grande maison au Père Blanc pour un Deutschmark symbolique, si tu veux. C'était... Mais de nouveau, c'est typiquement du style victorien, ces grandes maisons, les orphelinats de l'époque, les hôpitaux de l'époque, les asiles. Ma mère a travaillé, après avoir élevé ses quatre enfants, à 50 ans, elle s'est remise au travail. Elle a travaillé dans un grand asile pour malades mentaux près de Preston. 4000 fous enfermé dans cette immense baraque. Il y avait même une ligne de chemin de fer fait exprès pour amener les fous. elle a travaillé là. C'est la même atmosphère, ces grandes maisons complètement victoriennes, des vrais camps de concentration avant l'heure. C'est bien.